aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle « Il n'y a pas de serpent dans cet hôtel ». Il n'y a pas de serpent dans cet hôtel. C'est écrit, hein, donc je vois pas le problème. Ce jeu a été réalisé, en fait, pour un game jam en 24 heures. Il n'y a pas de serpent. C'est garanti à 99%. Et ils ne remboursent pas s'il y a des serpents quand même. Mais c'est abusé ça. Alors, Good Golly Bart, cet endroit est super propre. Vous savez à quel point je déteste les serpents. Donc du coup, j'ai fait tout mon possible pour rester à l'hôtel où il n'y a pas de serpent. Ça a été très bien fait, Bart. Il n'y a vraiment aucun serpent dans cet hôtel. Ok. Je sais pas pourquoi ils insistent comme ça pour dire qu'il n'y a pas de serpent. Moi, je les crois. Ils auraient dû... En fait, tu sais, ils me le disaient même pas. Moi, j'y croyais direct. Hein. Trouver la chambre numéro 100. D'accord. Vous savez ça, vous savez à quoi me fait penser ce jeu-là, tout de suite? Il me fait penser à Dark Deception. Alors, je sais pas pourquoi... Ici, c'est écrit le diable incarné. D'accord. Bon, pas de serpent dans cet hôtel. On retient, les amis. C'est un hôtel en Australie. J'avoue. Alors, je ne pense pas qu'il était possible, mais je suis sûr qu'il est heureux. Dans l'hôtel sans serpent, vraiment, il correspond vraiment à son prénom, à son nom. Depuis que je suis une petite fille, que j'ai été enlevée par une armée de lapins enragés, lorsque j'étais en vacances, je n'ai pas quitté ma maison. Après 50 ans de solitude, j'ai finalement trouvé un endroit en sécurité où je peux passer mes vacances. Et merci à l'hôtel sans serpent. Okay. Bon, il n'y a pas de serpent dans cet hôtel. Donc du coup, j'ai envie de te dire qu'effectivement, c'est probablement le meilleur endroit ever. En plus, le truc, c'est que je sais pas vous, mais moi, je le trouve quand même assez joli. C'est quand même cool. Je le trouve quand même assez joli. Comment ça, everywhere? Il y a des serpents partout, sauf ici. C'est génial. Une fois, dans un autre hôtel, je suis rentré dans ma chambre. Et lorsque je me suis retourné pour fermer la porte, il y avait un serpent aussi grand que mon bras qui pendait du porte-manteau. Mais ici, dans l'hôtel sans serpent, je n'ai pas vraiment besoin de m'en inquiéter. Hein, de ces petites créatures qui rampent, hein, qui puissent se tenir debout derrière moi. Parfait. Chambre 111, pour le coup. Donc la chambre 100, elle est... Oh, c'est moi ou il y a des ragnagnas explosives au sol? Oh boy. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a autant de... Il y a un serpent! On m'a menti! Oh! Je me sens trahi. Je me sens trahi. On m'avait promis qu'il n'y avait pas de serpent dans cet hôtel. Tu lances, il a une ambiance, c'est posé, ok? Ce jeu s'appelle Under, et c'est tout ce que je sais. Portez des écouteurs pour une meilleure expérience. I know what you did there. Si je porte des écouteurs, c'est pour mieux me faire peur, hein. Wink wink. Décembre 1941. Oh, ça me rappelle un peu le jeu tranché que j'avais fait la dernière fois. Jeu qui est... Oh mon dieu, qui avait des jumpscares horribles pour ceux qui s'en rappellent. Si vous n'avez pas vu, il y aura... La vidéo sera dans le petit i à côté, là. Allez la voir. Je peux pas prendre mon arme? D'ailleurs, faut savoir que tout ceci est enregistré en live sur twitch.tv/Seros. Le lien est toujours dans la description ou dans le premier commentaire. Je suis souvent en live et genre tous les jours. On fait des lives horreur tous les lundis. Et parfois, quand ils sont sages, le vendredi aussi. Et quand ils sont sages. Sinon, en fait, on fait plein d'autres choses. Plein d'autres jeux qui n'ont rien à voir. Des fois, c'est cool aussi. Ouais, j'ai décidé que ce let's play était devenu le let's play de la pub pour ma chaîne Twitch. Et que... Voilà, c'est tout. Je dois regarder le sol au vent. D'accord. Je dois d'abord regarder ici. Ok.
c'est vachement lumineux, on va dire, pour un sous-sol. Hein. Je vais pas me plaindre, mais on va dire que avec toute cette lumière, bah je vois rien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre gars par là? Inspect the hatch. Ça doit être le l'endroit où mes camarades sont partis. Mais pourquoi je peux pas l'ouvrir? Peut-être parce qu'il faut une poignée. Ok, d'accord, on peut pas rentrer. On peut pas passer par là. Donc du coup, je vais repartir dans l'autre sens. Donc je suppose que c'est juste après un combat dans les tranchées, dans les tunnels, etc. Dans la Deuxième Guerre mondiale. Ses potes sont partis dans ce trou là-bas. Et lui, il est en mode... Comment est-ce-t-os ? D'accord, je peux monter ici. Je sais qu'il y a une, je sais qu'il y a une trappe. Et je dois trouver un moyen d'entrer dans cette trappe. Alors clairement, dans ce jeu, il peut y avoir des serpents. Pour le peu que j'en sache. C'est possible. Cette guerre ne détermine pas qui a raison. Seulement ceux qui restent. Oui, c'est ça le problème de toutes les guerres. Hein. Et même, en gros, l'histoire est écrite par les gagnants. Rappelez-vous ça, les gens. Rappelez-vous ça. C'est étrange. Les sons des armes qui tirent et les gens qui crient ont été remplacés par le silence. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste devenu trop silencieux. Ok. C'est trop silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce que c'était fini? Tu poses les bonnes questions, mon pote. Tu poses les bonnes questions. Ah, moi, je dis mon pote, mais je sais même pas dans quel côté, de quel côté il est. C'était quoi, ça? Je sais pas ce que c'était, mais ça me fait penser vachement à SCP-06-36-30... Je plaisante, hein, je connais pas les noms des SCP, par cœur. Mais En vrai, je trouve que le lore des SCP est super sympa. C'est vraiment bien, bien rentré, en fait, d'avoir une société secrète qui s'occupe des monstres et tout, qui les classe, etc. Je trouve ça génial. C'est vachement sombre par là. Oh non, je ne suis éclairé que par la lampe derrière moi. Oh, il commence à faire sombre. Il commence à faire... Oh, mon téléphone a vibré en même temps, ça va pas, flair. Qu'est-ce que c'est que je... Qu'est-ce que je vois? Stop! Arrête de m'envoyer des mails, là. On est vendredi soir, qu'est-ce que t'espères? Je vais pas te répondre, hein. Moi, je suis en week-end, moi, monsieur. J'ai vu une ombre. C'est flippant, en fait. J'ai eu peur en fait là-haut. Oh là là, je vais à droite ou à gauche? Oh. Tant de chemin, tant de passages. Je dois regarder l'autre pièce avant. Ils sont super sympas, ils nous disent les chemins qu'on doit visiter avant en premier, tu vois. L'enfoiré! Ils sont pas gentils du tout. Ils sont pas gentils. Nous avons la guerre à massacrer des gens et qui ne se connaissaient pas. Le mec était en mode « Oh ben non, il va rater le jumpscare, retourne de l'autre côté, attends monsieur !» Ah ok, d'accord, et moi comme un con « Ok, y a pas de soucis, je retourne de l'autre côté, on verra bien. » Ouais, 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 je me suis pris le meilleur jumpscare de ma vie, là. Je te jure. Je vous jure. Je reviens pas en fait que j'ai dit que les développeurs étaient sympas. Juste avant qu'il me fasse ce coup. Ah, j'ai récupéré une bombe. Du coup, maintenant, je dois retourner à la trappe. Ah bah, ça va être marrant, ça. Ça va être marrant comme histoire, ça. Parce que c'est vachement loin, ok? Oh boy. C'était quoi, ce truc? Mais on l'a déjà vu, non? Il nous a foncé dessus, déjà. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh. Non. Non, 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 il fait des bruits de cerf. Il fait des bruits de cerf vidé, j'aime pas ça. C'est bien les cerfs vidés, on est d'accord, hein.
La lumière qui s'éteint au très mauvais moment. Il est très moche. Il est très très moche, le monsieur. J'espère que je suis au bon endroit, par contre. Hein. Genre, je cours au maximum de ma vitesse. Hein. Genre, c'est la course-poursuite la plus lente au monde. On ne jugera pas. Oh, bah, il aurait fallu que je descende. Mais j'ai paniqué, du coup, je monte. Non. Dans la merde. Dans la merde. Ah, ah, oh. Je l'ai brain. Je l'ai brain, ce mozofou. Oh mon dieu, j'ai brain le monstre, les gars. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je l'ai brain. Oh mon dieu, je l'ai brain. Oh. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Finalement, je me suis échappé. J'ai brain le monstre. Réveille-toi, camarade. Ah, ok, je suis du mauvais côté. Hein, hein? Mais je suis où? Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais inconscient, regarde. On est en train de gagner. Gagner? Oui, les ennemis sont en train de se replier. Allons-y. Je suis ravi de rentrer chez moi pour voir la femme. Ah ben non. Camarade. Non. Seuls les morts n'ont pas vu la fin de la guerre. Il y a quand même un message derrière. Il y a un message derrière. Under. Je pense qu'on peut dire qu'il y avait une bonne ambiance. Je me suis fait vraiment avoir par le gros jumpscare. Et j'ai été content, finalement, de ce monstre, que j'ai pu brain ce monstre. Ça me rend heureux, tu vois. Oh, ma souris, s'il te plaît. Qu'avais-tu pensé du DLC de Layers of Fear? Je crois que je l'ai fait déjà, mais je m'en rappelle plus. Le premier Layers of Fear, je crois que j'avais aimé en plus. Avec la fille, hein. The game contient une flashing light. Alors, ça peut être dangereux pour les gens qui sont sensibles. Aussi. Maze aurait voulu la permission d'accéder à votre cortex visuel et les connexions synaptiques reliées. Ok. Bienvenue dans le maze. De grands trésors vous attendent. Ok, j'entre. 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 Ah, il faut pas toucher les murs. Entrez. Vous savez, en fait, ça quand même, il fait penser en fait à ces jeux où tu joues un petit jeu et derrière t'as un décor autour. Il y a un jeu comme ça avec un jeu, c'est un poney que tu fais sauter. J'ai oublié le nom de ce jeu. C'est un poney qui saute. J'avais enregistré ça pendant 2 heures et après ça fait foirer mon enregistrement. Du coup, j'ai pas pu publier la vidéo. Mais il était génial. Hein. Là, j'ai bien, je me suis éclaté. Du coup, il faut vraiment pas toucher les murs avec sa grosse souris, là. Yay! D'ailleurs, en fait, regardez la main. La main, en fait, elle bouge automatiquement. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes tout seul? Non? Je suis pas tout seul, non? Entrez. Le problème avec... Putain. Le problème... Fuck. Le problème avec ce genre de jeu où il faut rester concentré, c'est que c'est très facile de faire... Mais j'ai vu une main derrière! C'est très facile de me faire peur. Parce que comme je suis concentré sur le labyrinthe, il suffit juste d'un moment d'inattention pour me surprendre. Et là, j'ai pas le droit de crier, donc du coup, je vais devoir essayer de maintenir... Si j'ai peur, je dois faire un... Comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Descendre. Oh, il a changé automatiquement. C'est pas ma faute, là. C'est vraiment pas ma faute. Le jeu de poney, c'est... E-Horse? Non, je crois pas. Je crois pas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas E-Head Horse. Non, je me rappelle. Je pense pas que ce soit ça. Je sais plus. Ça fait longtemps. Par contre, j'ai un jeu en tête où il est pas mal du tout en fonction de ta voix, mais franchement, c'est pas mal. Ah, Head Horse? Ça me dit rien du tout. Pony Island! Oui, c'est Pony Island, Fisheru. Exactement.
Pony Island, très bon jeu. Je recommande. Ah, c'est malin. Si le labyrinthe change en cours de route, il n'y a rien derrière toi. Je suis obligé de regarder parce qu'on sait jamais. Alors, descendre ou se retourner? Est-ce que je peux me retourner? Oh boy! C'était écrit Behind You, mais je sais pas ce qu'il écrit. Oh, ça change. Oh, c'est trop dur! C'est génial, mais en même temps c'est dur. Fuck! Bordel. Je suis tellement pas doué avec ma souris. Ça frappe pas à la porte. Je peux déverrouiller. Il y a une clé en forme de labyrinthe. Ok. Est-ce que j'ai pas déverrouillé la mauvaise porte? Oh mon dieu. Il est pas mal le jeu en vrai. Je retiens ce que j'ai dit. Je retiens ce que j'ai dit. C'est un très bon choix de jeu. Bravo à celui qui m'a proposé ça en fait dans le chat. Genre, le jeu est cool. C'est quoi le nom du jeu avec les cochons? Les animaux flippants. Tu pensais à Inside. White Shadow. Que j'ai fait il y a pas longtemps. Oh fuck! Alors. Ah, il faut que j'aille plus vite. Oh! Turn around! Non! Ok, ça va, tout va bien. Fuck! Fuck. Fuck. C'est pas facile, hein. Je prends le ferry. Ah ouais. Ah ouais. See us. See us. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y avait des trucs à récupérer, c'est des os, on dirait. Hunter. Le mec, il est déter, hein, pour jouer à ce jeu à cette heure-ci, hein. Proceed. Hey! Oh! C'est une caméra dans mon dos? C'est trop bien fait en fait, c'est très super creepy. Regarde ça! C'est moi! Oh no. Oh no. Proceed. Je peux pas me retourner. Je peux pas me retourner pour voir ce qu'il y a derrière. C'est flippant. C'est trop flippant! Oh no. Regardez, on peut voir la souris, regardez. Ça marche, hein. La petite souris sur le bois, on voit. Turn around. Ah, on peut se tourner, man. Oh là, ils ont changé le mal. Oh là là. Oh. Oh! Faut que je me dépêche. Oh, j'entends les bruits. Il s'approche! Oh, ça s'approche. Ah non! 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 Oh mon dieu! Ah! Non! Il n'y a rien derrière toi. J'arrivais pas à le faire. Vous êtes sérieux? J'ai peut-être légèrement paniqué, mais bon, ça va quand même. OMG. Oh. Tu stresses trop, contrôle son stress. Oh.
Allez. Allez, on se retourne. Saloperie. Oh. Ah non mais c'est injuste. C'est très injuste. Pouf. Il y a un délire. Hein. Oula. Oh mon dieu. Attendez. Il y a un truc. Attendez. Bora Time. Bora Time, merci à toi pour les 55 euros. OMG. Merci beaucoup. Coucou, hâte de te voir jouer à Vanish. Je t'ai connu quand tu l'as commencé. Continue comme ça. Merci énormément, c'est très gentil. Merci de ta... Merci de ta part. Je parle très mal, la France. Merci énormément, c'est très gentil. Merci beaucoup. Calamar Molly, merci pour ton Prime. Waouh. Le jeu est gratuit. Le jeu que je joue actuellement, il est gratuit, oui. Cherche Dreader sur Internet pour l'avoir. Donc, ouais, Bora Time, tu m'as refait, là. C'est bon. Merci beaucoup. Hein. Tu payes mon repas de ce soir, c'est gentil. Pourvu que Caro... Non, mais ne dis pas ça, toi. Elle va arriver après. Escape. Non. Je me fais poursuivre par une flèche rouge. Ouais, c'est bon. Hunter. Escape. La flèche rouge. Non. Faut que je me calme. Putain. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui peut toucher les bords? Qu'est-ce qui peut pas toucher les bords? Parce que là... Ah, c'est là. La pointe... La pointe ne peut pas toucher les bords. Le reste de la flèche peut. Hunter. Ok. Donc du coup, il faut juste que je me concentre sur la pointe de la flèche. Et pas le reste. Le reste de la flèche, on s'en bat les couilles. C'est la pointe qui compte. C'est la pointe qui compte. Kill it! Alors le jumpscare ne m'a pas du tout attrapé, mais j'aime beaucoup le jeu. Ah, je suis devenu comme lui. D'accord. Ça m'a transformé en lui, en fait. Et du coup, maintenant, mon but, c'est d'attraper d'autres joueurs aussi. Bienvenue dans le métaverse, c'est ça. Processing. The End. Le jeu était vraiment cool. Le jeu était vraiment cool. J'aurais personnellement rendu le jumpscare de fin plus violent pour essayer de vraiment d'avoir les joueurs. Mais franchement, n'hésitez pas à noter le jeu, hein les amis. C'est le but hein, de ces vidéos. Notez les jeux et n'hésitez pas à les checker par vous-même aussi sur itch.io. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, cette vidéo, petite vidéo compilation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur twitch.tv/seros. J'enregistre ce genre de vidéo en général le lundi. Bon, là, on est vendredi, mais bon, en général, c'est le lundi. Et je suis en live tous les jours à partir de midi. Voire des fois 14h, ça dépend. Mais à partir du midi, normalement, je suis en live sur Twitch.tv. Et voilà. Donc, tranquille. Voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt. C'est Ross.